Hôtel La Rose des Vents, Michel Brosservie. Ah oui, exactement, vous avez réservé l'avion rose. J'ai bien besoin de ça. Allons, allons, allons. Chez Michel, l'avion rose. Oui, Catherine. Ouais. David. Oui, j'ai le PDG des entreprises poulet, gros grain, la belle rouge avec moi. Allons-y pour le lien. Oh, c'est la tête rouge. Oui, oui, doucement, doucement, je m'en ai. Pour votre confort, nous avons un défibrillateur au premier étage. C'est l'avantage du chien sur l'homme. Peut-être la fidélité. Oui, enfin, le mien a tout de même fugué avec la chienne de la voisine. Mademoiselle, veuillez confirmer mon rendez-vous avec la Société du Roi. Il suffit de lire les journaux hein, pour voir qu'ils regorgent de faits divers les plus horribles les uns que les autres. Ah, assassin, tu m'énerves, tu entends? Tu m'énerves. Je te quitte, je te quitte. Oui. Ma chérie, quelle surprise. Jean-Louis, mais qu'est-ce que tu fais là, à quatre pattes? Et dis donc, qui c'est cette Mimine? Mimine, Mimine, c'est... Oui. C'est ma chatte. Bonjour, mademoiselle. Que vous êtes charmante. Ça vous dirait d'aller plonger une petite tête dans la piscine histoire de faire baisser la température? Ben non, je sais pas nager. Je vais attendre là. Je ne me sens pas très bien. Ah, t'as des pilules. Oh là, y a que vous qui me compreniez. Moi, je comprends rien. Je comprends rien. Oh, tant pis si je dois décevoir maman. Ça me laissait. Je vois pas ce que vous voulez me dire. Vous voyez pas, vous voyez pas. Forcément avec un seul œil. Vous pouvez pas voir grand chose. Oh, vous, hein, le phénix des mille et une nuits, ta gueule.